Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, nous sommes de retour sur Dokkan Battle, et attention on est parti pour invoquer sur l'autre côté du festival Dokkan. On a invoqué sur Gotenks, la chance, je sais pas si on peut dire qu'elle était là, mais pas trop non plus, on a eu quand même un triplon de Trunks, c'était plutôt intéressant, et bien aujourd'hui, on va invoquer sur Monsieur Fatbou, je croyais que c'était là-bas, mais en fait c'est ici, Monsieur Fatbou, qui nous attend, et qui a un portail qui est là aussi, et bien super intéressant, par rapport à ma box, ça peut être plutôt pas mal, puisqu'il y a 3 unités que je recherche principalement dans ce portail. On va commencer bien évidemment par le Fatbou. Donc lui, grand classique. Évidemment qu'on veut le récupérer. C'est le chef de la bannière. Je le veux. Il est fort. Il est très fort. Je prends avec grand plaisir. Vegeta, le problème, c'est que j'ai déjà en bas à droite et déjà en haut à gauche. Donc Vegeta, techniquement, c'est peut-être un personnage dont j'ai pas vraiment besoin. S'il tombe, bon, allez, je récupère. Mais c'est pas celui que je recherche en priorité aujourd'hui. Par contre, bon, Bou multiforme, c'est pareil. C'est le même principe. J'ai déjà en bas à droite, en haut à gauche. Donc je cherche pas forcément le quadruplon. Par contre, Zamasu, je n'ai aucun doublon dessus. Je l'ai, mais sans doublon, Zamasu, c'est bien, mais c'est pas fameux. Broly, c'est pareil. Je l'ai, mais sans doublon, c'est bien, mais c'est pas fameux. Donc, du coup, je veux des doublons, parce que je sais que ces deux unités-là sont des unités avec doublons qui sont simplement monstrueuses. Donc, il me faut aller chercher des doublons. Couleur, on peut potentiellement aller chercher en haut à gauche aussi. Donc, en soi, ouais, tu me diras, il y a même 4 unités au total qui peuvent m'intéresser. Alors, après, je vais pas autant invoquer que sur Gotenks. Il me reste 129 DS, comme vous pouvez le remarquer en haut à droite. Nous allons faire du coup les 4 multi gratuites plus la multi du ticket, donc 5 multi invocations aujourd'hui. Je croise les doigts pour qu'il y ait au moins une voire deux bonnes animations, parce que hier c'était compliqué. Fatbou, il faut que la chance soit avec nous. Je fais rien, franchement, j'y vais au talent, au culot. Franchement, au culot, on y va comme ça et on verra eh bien comment ça se passe. Croisons les doigts quand même, simplement. Animation ou pas? Il y a Fatbou, il y a Trunks, il y a Whis, mais c'est tout ce qu'il y aura malheureusement. Ouais. Et on va démarrer avec une multi-invocation où il n'y a pas réellement d'animation. Et c'est le SSJ1. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour démarrer. C'est une catastrophe. SSJ1, j'y crois pas. SSJ1, ouais, voilà. SSJ1, on me donne un SSR. Bon, c'est un bout, mais c'est pas le fat. C'est le gros, là. Et je l'ai en je sais pas combien de millions d'exemplaires, lui, d'ailleurs. Voilà, c'est un peu pénible. Bah écoute, première multi-invocation qui est complètement ratée. Mais vraiment ratée de ouf, là pour le coup. Ouais, même pas d'animation. Et puis SSJ1 surtout, le SSJ1 qui vient faire très mal. Hercule, oh, par contre, attends, Hercule en soi, écoute, c'est pas la meilleure des unités, mais je suis preneur parce que c'est pas mauvais. En soi, c'est pas mauvais, je crois que j'ai un bon triplon sur lui déjà, donc... On récupère, c'est pas grave. En vrai, c'est pas bien grave. On aurait pu avoir pire comme SSR à la fin, avoir un SSR complètement inutile. Et pour le coup, celui-ci, eh bien, il nous servira quoi qu'il arrive. Bon, Fatbou, première multi-invocation. C'est un peu compliqué, mon pote. Va falloir faire un peu mieux maintenant. On compte sur toi. Énerve-toi un coup. Moi, je vais invoquer le doigt de la justice, parce que malheureusement, je crois que le reste, ça paye pas. Doigt de la justice, let's go. Que la chance soit avec nous. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, mais pour pas grand chose là. Oh! Le pas grand chose, qu'est-ce que j'ai dit moi? Qu'est-ce que j'ai raconté? Eh ben let's go! Let's go! Le Zeno qui est tombé! Le Zeno qui est tombé! Incroyable, merci Zeno. Merci mon petit Zeno. Oh là là, let's go, on a Fatbou les gars, on a Fatbou, il est tombé, deuxième multi-invocation. Alors là, je l'attendais pas du tout parce que, bon, je voyais 4 personnages sur le plateau, je me suis dit, bon, c'est cool, on peut y avoir un petit truc, mais c'est pas une réelle grosse animation. Eh bien, on m'a fait mentir puisque Zeno est arrivé au moment de l'animation incredible, et du coup, on va aller chercher le Fatbou. Oh, enfin de la justice dans ce monde, enfin de la justice dans ce monde, enfin, il va tomber en dernier du coup ou pas? Ah, il va tomber juste ici. Let's go, Bou! Ça fait plaisir. C'était le dernier? Non, c'était pas le dernier. Et un métal couleur en plus pour terminer. Incroyable. Métal couleur pour terminer. Bon, c'est pas un... Ah non, c'était pas fini en plus. Ah ouais, incroyable. Ok, on a eu deux Dokkan Fest dans la même multi, côte à côte. Elle est goldée, la multi, là, par contre. Là, elle est complètement goldée. Incroyable. Bon, à la place du golden... enfin, du golden, du métal couleur, j'aurais préféré avoir Zamasu ou Broly. Mais en soi, je récupère quand même le triplon dessus. Et puis surtout le bout. Surtout le bout qui va tomber aujourd'hui. Merci le doigt de la justice. Le doigt de la justice qui a payé. Le doigt de la justice. Ah là là, toujours incredible celui-ci. Toujours incredible. Eh bien, écoutez, parfait. Ma foi, là, pour le coup, c'est propre. C'est carré dans l'axe.
eh bien on n'a plus qu'à continuer ce run, ce step-up, aller le terminer. Et pourquoi pas, qui sait, aller chercher un doublon avec beaucoup de chance, potentiellement un doublon, potentiellement un Zamasu, potentiellement un Broly, potentiellement un Vegeta ou autre, peu importe, du Dokkanfest. Il faut aller récupérer ça. Let's go! Retour du doigt de la justice. Let's go, doigt de la justice! Allez, on y retourne, c'est parti. Merci, Bou. Merci, Zeno. Merci, Zeno. Allez, let's go. Il y a du monde, mais il y a du monde encore. C'est pas incroyable. Et cette fois-ci, il n'y a pas Zeno pour nous sauver. Il n'y a pas Zeno cette fois-ci pour nous sauver, mais il y avait quand même 4 prospects sur le terrain. Ok, 1, 2... Non, je pensais aux 3, mais non, ok. Bon, de toute façon, on sait qu'il y aura SSR garanti. Et on va commencer, ok, avec un couleur. Ok, un couleur tech. Alors, si c'est ça le SSR garanti, c'est triste, hein, clairement. Et c'est un Vegeta derrière, puissance. Ouais, bon, là, on a 2 SSR, mais c'est pas... C'est pas du tout du SSR qu'on recherche. Ouais, Broly, ok, y aller. Broly SSJ3, c'est un Dokkanfest quand même, qui sort un peu de nulle part. Ça fait déjà 3 SSR dans la multi-invocation, ce qui en soi est plutôt propre. Et un quatrième, encore un Vegeta, ok. Bah lui, il va falloir... Mais un cinquième même. Alors attends, on a masse SSR, mais... Bon, c'est un peu la multi-troll là, c'est 5 SSR... Mais potentiellement, il n'y en a qu'un qui peut m'intéresser, c'est le Broly SSJ3, à la rigueur, tu vois. Après, le reste, même s'ils sont pas mauvais, je crois quand ils sont éveillés d'Okan, notamment lui. D'ailleurs, lui, faudrait que je le monte au Spédis aussi. C'est vrai que je l'ai toujours pas éveillé d'Okan. Bah voilà, c'est pas la multifameuse, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même 5 SSR, donc en soi, c'est pas mal non plus. Bref, on arrive sur la multi-invocation gratuite. Les gratuites, c'est là où ça paye le moins en général, mais on peut y croire quand même. Let's go! Fatbou, Zamasu, Broly, si vous m'entendez, it's time. Let's go! Doigt de la justice encore une fois, puisqu'apparemment ça paye jusqu'ici. Let's go! Ouais, ça paye, mais pas trop non plus, malheureusement, c'est la multi gratuite. Et c'est un Fatbou avec un Kulilin, malheureusement. Qui n'annonce rien de bon. Bon, quand même un SSJ2, ok, à se mettre sous la dent. Ok, un petit SSJ2, on sait jamais. Et on l'a bien vu, là, sur les deux dernières multis. Les miracles peuvent se produire et sortir de nulle part. Donc, sait-on jamais. Croisons les doigts et espérons aller chercher un petit bon SSR, on va dire. Ouais, Yamcha. Ouais, Pumbumkina. Ok. Ouais, là, par contre, j'y crois un peu moins sur cette multi-invocation. Et j'y crois un petit peu moins, là, pour le coup. J'y crois un peu beaucoup moins, là, ouais. Et... Ok, mais c'est lequel, celui-là? C'est lequel, ce Goku? Il se met pas en Kaioken, lui, après? Ouais, si, il est pas fou. Ouais, non, lui, il est pas extraordinaire, quoi, clairement. Bon, bah, écoutez, j'ai fini mon step-up. Malheureusement, j'ai fini mon step-up. Et, du coup, on a quand même de quoi aller faire une multi avec les tickets. Donc, on va faire ça, quand même. Ça peut être intéressant. On va tout faire recevoir. Hop là, let's go. Ok, 13 tickets. Donc une multi-invocation pour aller chercher un doublon sur Bou, un doublon sur Zamasu, un doublon sur Broly, les 3 dans la même multi. Let's go, on y va. Let's go, on y va. Allez, c'est parti, pas de doigt de la justice, rien. Ah, j'aurais peut-être dû faire un doigt de la justice au final, non? S'il te plaît, Vegeta. Oh, s'il te plaît, Vegeta. Oh, toi, grand Vegeta. Oh, toi, prince des Saiyans, s'il te plaît. Fais en sorte de fusionner. Non, mais Vegeta, à chaque fois qu'il vient, il fusionne plus. Il a plus envie de fusionner, Vegeta. Bon, SSJ3 quand même, ok. SSJ3 quand même. Ah, bon, après, le SSJ3, c'est pas garanti. Ça garantit rien d'extraordinaire non plus, quoi. Mais bon, il peut y avoir potentiellement une bonne unité. Zamasu. Ciao, Zou. Ah, ciao, Zou inversé, très bien. Ouais, non. Ah, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. C'est un fake SSJ3 dégueulasse. Ouais, ça sent le SSJ3, ça sera le dernier et pas bon. Ouais, non, malheureusement. Ah, là, le Cell In, c'est le dernier, je crois. Ouais, c'était le dernier. C'est dur. Bon, en soi, j'ai eu Bou. Vraiment, en soi, j'ai eu Bou. Donc, en soi, c'est pas mal. Mais... parce qu'il y a toujours un mais dans la vie, j'ai rien eu d'autre à côté, et ça, c'est carrément triste. J'ai vraiment rien eu d'autre à côté. Le Broly, si, Broly et couleur. Ah, si, c'est vrai que j'ai eu Broly et couleur, mais bon, c'est les deux Dokkanfest du portail dont j'avais pas potentiellement le besoin, tu vois. J'avais plus besoin de Zamasu et Broly, pour le coup, qui sont les deux dans le même portail en plus.
et de boue, plus que de métal couleur et de Broly, mais en soi, pour le peu de multi-invocations, donc sur 5 multi-invocations qu'on a pu faire, on va regarder le nombre de SSR obtenus. On en a obtenu 12. 12 en 5 multi-invocations, c'est propre. Franchement, c'est propre de ouf, même si en soi, il n'y en a que 1, 2, 3, 4... Allez, il y en a 4 qui sont intéressants sur les 12. Ça reste quand même pas trop mal, tu vois. Ok, bon. Je vais me contenter de ça. Je ne vais pas râler parce que j'ai quand même eu bout. Il y en a qui vont peut-être mettre 500 DS et qui ne vont pas l'obtenir. Donc bon, on va pas râler. Et en soi, voilà, je le voulais, je l'ai eu. Et du coup, voilà, je suis plutôt content. Et puis, on va pouvoir aller le monter Spedis assez rapidement, facilement. Et surtout, je vous proposerai un test, bien évidemment, d'ici le début de la semaine. Voilà, bon, ça va, ça reste convaincant en 5 multi. Voilà, en tout cas, j'espère que de votre côté, eh bien, vous avez eu autant, voire plus de chance que de mon côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez obtenu. J'ai vu que sur Gotenks, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont drop, mais alors avec des taux complètement abusés. J'ai vu sur Twitter, j'ai vu sur YouTube en commentaire, j'ai vu sur Snap aussi également, Instagram. Donc vraiment, GG à ceux qui ont drop. Pour les autres, bah, bon courage si vous allez invoquer par la suite à nouveau ou que vous allez démarrer vos invocations. Et puis nous, on se donne rendez-vous dès le début de la semaine pour tester ces nouvelles unités Gotenks, Boo, bien évidemment sur du Goku Rush, et en espérant eh bien qu'on puisse kiffer avec. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien évidemment, activer la cloche des notifications, comme ça, vous raterez aucune vidéo et aucun live. Sur ce, moi, je vous laisse. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.